C'est l'heure. Bonjour à tous. Bon, dites-moi déjà dans les commentaires si vous me recevez, vous m'entendez, vous me voyez, histoire que je refasse pas la même erreur que hier. Il y a déjà des gens, donc bonjour Postnovich, bonjour Cédric et bonjour GB. Poculatif, tout à fait, mais ce soir je n'ai pas pu. On t'entend. Oh, ils m'entendent! C'est tellement cool! Bon, et ben, on va pouvoir commencer ce soir. Ce soir, on va faire un truc marrant. Bon, hier, on s'est amusé avec le thésaurus du virus. Du coup, on va ce soir s'amuser avec des images. Le Wiktionnaire a plein de mots, des milliers, qui n'ont pas d'illustration. On va donc illustrer les mots. Et on va utiliser pour ça deux voies générales que je vais vous montrer. C'est super simple. Je vais donc faire de la magie, me mettre en tout petit. Abracadabra. Ouh, il y a une tout petit. On va commencer par des articles à illustrer. On a deux choix. Comme je vous ai expliqué, la première voie c'est d'aller sur un article et b d'en rajouter une image, en fait. C'est ça qui est le plus important. Et la deuxième, ben, c'est à l'inverse, de partir de l'image et d'essayer de la mettre dans les articles. Donc on va commencer par l'article. Plus simple. Qu'est-ce que. Il y a déjà tellement de trucs sur mon truc. Alors, 20 minutes d'avance, bande de petits rigolos. Et c'est ça qu'on a raté hier à 21h. Oui, presque, à peu près, oui. À part le fait que je parlais tout seul. Donc, nous allons chercher un article qui n'a pas d'image. Donc là, on peut cliquer au hasard. Je sais pas. Oh, un œillard. Alors, un œillard. Qu'est-ce que j'ai comme image? Bon, j'ai une illustration pour l'axe du moulin, mais voilà, les pompes centrifuges, il n'y a pas. Pour l'étang, il n'y a pas. Et pour les meules de taille moyenne, bon, il n'y a pas non plus. Mais c'est très rare. On va trouver une meule de taille moyenne. Par exemple, voyons, une meularde. Il n'y en a pas. Eh ben, regardez. Alors, pour ajouter une image, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur modifier et pas sur modifier le code. Attention. Sur modifier. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Et là, vous êtes sur la page modifier. Voilà. Il faut cliquer avant. Ici, là, avant le nom en gras, et insérer une image ou un média. Et là, il va chercher sur Commons avec le nom Meularde. Bon, il n'a pas trouvé. Il n'y a pas de. Y a pas de traduction. Alors, synonyme, c'est œillard ou melot. On va essayer de trouver melot. Regardez s'il y a quand même des images de moulins, hein. C'est ça qui est le plus drôle. C'est quoi le sujet? Le sujet de ce soir, Jérôme, c'est d'illustrer les articles du Wiktionnaire. Mais vraiment, meule. Bon, Wikipédia étant. Wikipédia, Commons étant régulièrement. Comment dire? En anglais, c'est un peu difficile de trouver quelque chose de bien. Alors, voilà une meule à noix. Une ancienne meule à grains. Une meule brisée. Il y a pas mal, hein? Il y a pas mal, il y a pas mal. Alors. Meule à moudre de moyenne dimension. Meularde au-dessous de 4 pieds. 4 pieds, un pied c'est quoi? C'est à peu près 30 cm. Donc. En dessous de 4 pieds, ça fait en dessous de environ d'un mètre. Hein? On va essayer de trouver des meules d'un mètre. Alors, sinon ce soir, on peut faire le live Traduire Commons. Bon courage les enfants. Traduire Commons, c'est pas la folie. Alors, celle-là a l'air pas très très grande. Hein? Vous voyez, le ancienne meule à grains, ancienne meule. Vu l'élargissement des poteaux, on va l'utiliser. Hop.
Donc sur la légende, on va expliquer ce qu'on voit. Alors Cédric dit qu'il n'y a pas d'image sur Manic, donc allez-y les gens. Et si vous faites quelque chose, si vous rajoutez des images, n'hésitez pas à faire le lien dans les commentaires, hein, que je puisse vous les partager et qu'on regarde après ce que vous avez mis. Alors, ancienne meule larde. Hop. Il faut mettre meularde en gras. Et c'est tout. Voilà. Elle est là. On publie. Et quand on publie, on dit plus image. Alors, image. Tac. Voilà. Ajout. Modification d'image. Publier. C'est fou. Le Wiktionnaire, c'est super simple. Comment est-ce qu'on peut être radié de Wikipédia quand on a une page Wiki? C'est quoi cette question? Eh ben c'est simple, hein, faut différencier le contributeur de la personne qui est décrite, c'est tout. C'est comment on peut être radié en faisant une grosse connerie en ne respectant pas les règles? Voilà. Les gens bloquent les gens, bloquent les contributeurs qui ne sont pas là pour faire des choses cool. Bon, je. On va continuer sur la contribution, donc on pourrait remettre la même image sur Melo, synonyme de Melard. Qu'est-ce qu'on fait? On garde, on garde pas? Ouais, les gens, sachant que les gens tombent, peuvent tomber sur l'image, peuvent tomber sur la page, on peut avoir. Ça peut être intéressant. Alors, merci pour ta réponse. De rien. Ah, cette touche. Mais tu viens de me trouver des images de meules. Décidément, le moteur de recherche est pas très. Hein? Ah, quand même. On va la remettre. Hop. Tiens. Me. Insérer. Et il faut modifier un peu cette page là, les gens. Hop. Image. Et là, en 8 minutes, on vient de faire deux images. Classe. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre une page au hasard par langue, dis donc. C'est intéressant ça. Alors. Coprospérité. Prospérité commune entre plusieurs États. Alors, trouver des images pour de meules, il faut avoir un grain. Oui, j'avoue. Eh ben, on va le faire. On va essayer. Comment est-ce qu'on peut représenter en images la coprospérité? Il faudrait une image qui montre deux peuples l'un à côté de l'autre, qui soient en abondance, quoi, puisque c'est la prospérité. Alors ils mettent entre plusieurs états, donc on va essayer de trouver, modifier. Alors, bon, si vous pouvez mettre des choses qu'on comprenne, Antoine, ça serait bien. J'ai compris. Alors. Coprospérité. Bon, déjà, il n'y a pas machin. Alors, est-ce que prospérité, on va quand même voir quelque chose dans les images? On risque d'avoir des textes tout signés, je pense. Alors. Ouh là là. Ah oui, c'est. Même prospérité. Bon, là, en prospérité, ils montrent des. Hôtels, barges. C'est des images publicitaires, là. Alors. Voilà la prospérité. Mais là, elle est centrée sur une chose, le vrai bonheur. Ah, est-ce qu'on pourrait mettre la coprospérité? Qu'est-ce qu'il met celui-là? Il y a deux personnes, mais c'est pas vraiment des états. Là, c'est. Oui, bon, c'est dans un truc religieux. T'as pris un mot facile à illustrer. Ah, ouais, je sais, ouais. Un truc pas simple. Mais il faut se creuser la tête, les gens.
Voyons, là, on a la prospérité américaine. Ça serait bien que les gens soient en prospérité en mode on se serre la main, on se. Vous voyez, je sais pas. Là, c'est pas mal ça. Toutes sortes de prospérité. En prospérité doit avoir un autre sens, j'imagine, dans ce cadre-là. Ah, mais je me souviens qu'il y avait un tableau. Entre la France et l'Espagne, de un traité de paix par exemple, vous voyez, ça peut être un traité de paix. On aurait pouvoir trouver ça, vous voyez, où deux peuples illustrés montrent qu'ils sont tous les deux forts et prospères. Ça peut être pas mal. Hein. Ah, regardez là, vaisseau français pavoisé pour le traité de paix de 1814. Voilà, il y a tous les drapeaux dessus. C'est un souhait de coprospérité. On pourrait. Je garde cette image au fin fond de mon cerveau. Par là. Parce que là. Alors, allégorie du traité de paix des Pyrénées. Ah, regardez, là, c'est pas mal aussi. Où on a des. Bon, c'est une allégorie, hein, donc. Duc d'Anjou, accueilli par Minève de Junon, mais bon, qui leur présente la couronne d'Espagne. Bon, on n'est pas trop dans la. Le truc, il y a un article Sphère de cause prospérité sur Wikipédia. Ah! Allons voir. Wikipédia. Bonjour, Wikipédia. Allez. Bonjour, Wikipédia. Ah, c'est Barman, l'astronaute. Alors. Père de. Bon, ok, c'est sur la Manchukuo et l'Empire du Japon. Bon. Pas de problème. De la Grande Asie orientale. Oui, ben c'est des cartes, hein. C'est des gens. Timbre avec la carte de la sphère de coprospérité. Monnaie d'invasion japonaise. Les photos des gens. Pas si c'est vraiment pertinent de les mettre. Ça, c'est déjà plus illustratif. Ah oui, les enfants ont l'air prospères sur la fiche rouge. Ils ont l'air en tout cas plus contents, hein. Ça, c'est sûr qu'à ce niveau-là. C'est une affiche de propagande de coprospérité. Mais tout autant que le bateau l'est tout aussi, hein. C'est un souhait de coprospérité. Surtout qu'on a un article pour sphère de coprospérité. Donc pour l'instant je retourne en arrière. On va essayer de juste. Tu veux bien disparaître là? Voilà. Vous voyez, sphère de coprospérité, ça doit être sur le Wiktionnaire, ça. Ouais, elle est même illustrée. Donc on va prendre le bateau qui est. Moins propagandiste, on va dire. Alors. Traité de paix. J'ai illustré Manique et découpé. Incroyable! Alors. Pavoisé. Traité de paix en souhait de coprospérité. Prospérité. Voilà, c'est plus simple quand ça marche. Tadam! Nickel! Boum! Image. Alors, vous voyez la sphère de coprospérité, le timbre. Bon, je ne sais pas si le timbre avec la carte est pertinente, sachant que la carte n'est plus. Alors, t'as dit Manic, il a illustré Manic. Voyons voir Manic. Waouh, une magnifique Manic.
T'as illustré qu'un sens en fait. C'est la pièce de table de cuisine. Faudrait mettre sens 2. Pas mal. Et sinon, découper. Voyons voir. Découper. Ah oui, c'est vrai que les verbes, c'est sympa aussi à illustrer. Un homme découpant une coco. Alors, tiens, est-ce qu'il y a des, il y a des illustrations sur creuset? Et non! Bon, on va en trouver. Ça va pas être trop difficile. Quelle est belle. Il a fait vendre aussi. Ou ça, je suis illustré, très curieux. Alors, on va regarder vendre et puis après on va s'amuser sur creuser. Ah, en train de vendre de la nourriture et tout. Belle image, très belle image d'Inachive. Alors, modifier. Oui, c'est bon, ça j'ai compris. Alors, on met le curseur avant le creuset, insérer image et média. Voyons voir, voyons voir. Ah ah! Creuse un puits, mais là c'est pas très clair. Creuser puits. Ça c'est pas mal là, le. En train de creuser à la pioche. Bague à creuser les. Ça, je pense que c'est un truc médical un peu dégueu. Machine pour creuser la glace. Ah, pas mal. Là, on veut l'illustration de creuser. Je pense que ça, c'est. Celui, il enlève juste de la terre. Yo! Bah ouais, ça bosse dur, carrément, on illustre. On est là pour illustrer. Creuser. Voilà. On va illustrer cette image. Un homme creuse un puits avec une hache. Non, c'est pas une hache, n'importe quoi, c'est une pioche. Le plaisir de te voir, Lingistekae. Monter. Monter. Oh, une star de l'internet, tout à fait, Seb. Hop, et du coup, voilà l'illustration. C'est fait en direct, mais du coup je vais rajouter un petit détail à peu près creusé, comme il y a plusieurs sens. On va mettre ici sens 1. Voilà. Ça sera clair. Même le mettre en italique. Calmons-nous. Et il suffit de publier les modifications, cliquer sur Images, Ajout ou modification de l'image, publier. Et voilà, ça c'est fait. On a un premier sens qui est illustré. Après on a des sens qui sont plus précis, genre taille de pierre, faire un creux, un défaut de planéité. Enfin, les plumes. Alors là, la taille de pierre, je suis vraiment pas un spécialiste. Approfondir, faire une recherche. Alors pour illustrer ça, bon courage. On pourrait peut-être prendre des gens en train de lire des bouquins, mais c'est peut-être un petit peu facile, je dirais. Évider. Ah oui, on va regarder sur évider. Donner fin. Ah oui, ça creuse. Alors, pareil, va l'illustrer. Devenir creux. Ah oui, mais c'est se creuser. Il faudrait l'enlever, ça. Réfléchir et se creuser. Alors, Darmo est en train d'illustrer les entrées du thésaurus du wagon. Voilà. Merci beaucoup, Monté. C'était un plaisir de te voir passer sur le live. On va illustrer et vider. Donc, on va mettre le curseur ici. Insérer images et médias. Et donc, on va mettre et vider, puisqu'on peut faire une recherche différente. Alors, évider, évider, évider. On a des fourmis. Allez savoir pourquoi. La bédane qui doit servir à évider, mais ce serait bien de voir l'action. Oh, il n'y a rien. Est-ce que. Digging. Dig. Est-ce qu'en anglais ça passe mieux? Aha! Pas mal. Ah, je vois pas si elle creuse quelque chose.
Un coup de vent n'est pas illustré, c'est un petit défi, ça. Ah oui. Tout à fait. Bon, alors là, ça, je vois pas trop ce qu'elles font. Elles sont en train de manger, donc hein, les travailleuses, ça rapporte pas trop. Oh le joli, joli chien! Ah! Non, mais lui, il cherche de l'or, c'est un chercheur d'or, c'est ça? Ouais. C'est de l'archéologie. C'est pas facile, hein, vous voyez, les images sont pas faciles à réutiliser. Là, y a ça, là, c'est un trou, mais c'est pas. Ok. Là, on voit que le Commons est complètement perdu, puisque il commence à me mettre des trucs en train de tartiner, là. Ça, c'est quoi, ça? C'est des fouilles archéologiques. On voudrait évider. Ah, peut-être qu'un évidoir. Est-ce qu'il a. Non. Évideur. Pas facile, facile, hein. On a trouvé un machin qui est évidé, creusé. Un kiwi. On évide un kiwi pour le manger. On peut essayer de trouver d'autres alternatives. Si vous avez des idées, dites, hein. Parce que mon cerveau est déjà en pleine fusion là. Bon, c'est pas très kill cool, hein. Pas vraiment de résultat. Qu'est-ce qu'on creuse? Une mangue? C'est mango en anglais, c'est ça, mango? Il n'y a même pas mango. Quand même, tu pourrais. Mango. Des fois, le moteur de recherche est un peu naze. Alors, oui, ce sont des mangues. Ah oui, alors là, ils l'ont coupé comme ça. Est-ce qu'il y a une façon de. On peut le manger à la cuillère aussi, la mangue? Fichtre! C'est pas facile. Bon, écoutez, on va laisser ça comme ça. En coup de vent, comment est-ce qu'on pourrait illustrer en coup de vent? Tiens, on va se marrer. En coup de vent. Quelque chose qui passe en coup de vent, c'est faire un coucou rapide. Ah, mais il y a peut-être des films. Vous savez, sur Comment il y a des films, ça pourrait être un. À l'improviste. Ah, puis il y a une coiffure, dis donc. Les cheveux courts en coup de vent. Oui, je sais. Ce serait bien qu'il t'arrête de me répéter ça. Non. Alors, déjà, on met ça là et on insère une image. Alors, eh bien, il y a des résultats, les gens. Ouais, alors, c'est que des illustrations textuelles, c'est ça? Quand même, il y a des trucs. Ah, il y a le dictionnaire de l'abbé Ferraud. Un jour que je vous parle de médicaux, de tous ceux qui sont derrière là. Genre demain, on peut se faire des dicos marrants. Donc en coup de vent, il y a une traduction, il n'y a pas de traduction en coup de vent. À l'improviste. Improviste. Il y a le théâtre l'improviste qui a des photos. Scène de mêlée de presse. Oh, il y a même un gif comme ça, mais c'est pas du tout un truc en coup de vent. Est-ce que ça c'est. Quel est le détail? Scrum, il parle de. Ok, c'est bizarre. Improviste. Alors, il y a visite aussi. Une sorte de quick visiting. Vous voyez, on peut essayer de mettre quick ou des trucs comme ça. Pense qu'avec visite, on va avoir. On va
On va avoir beaucoup de choses. Oui, la visite Notre-Dame, machin. Comment est-ce qu'on pourrait illustrer ça? C'est dommage qu'il n'y ait pas de vraiment, qu'il n'y ait pas de BD sur Commons. Il doit y en avoir quelques-unes, mais. Oula, cette image dans une. Elle a pris cher dans le temps. Alors. Short visit. Rien. Quand même. Bon, le plus simple, c'est d'aller directement sur Command. Alors, on clique sur un truc avec une enfant. On fait plus de détails et on va sur Command. Et là, je tape quick. Non, short visit. Short visit. Short visit in Iceland. Voilà, regardez. Et en coup de vent, il est passé. Et donc, c'est. Ah, Sultan Kosen, l'homme le plus grand du monde. Est-ce que ça se fait? Nyköping. Ah, ça c'est les. Ah, ça c'est les Suédois. Short visit, mais ils mettent short visit partout. At Mother Home. No, ako sam paš u gor sam najdu svoju mamu gor Il i raconte me ta un čovek passage je en coup njim de do vent. tega mosta ki je bil požgan me prepelio na drugu stranu On le met ou i sam pas? šao gor smaš. Non, c'est pas en français. Malheureusement. C'est malheureusement. Mais on pourrait. Ce serait bien de voir des gens en train de marcher, vous voyez, ou de se dire coucou rapidement. Les short visits a l'air pas mal en tout cas. Ça a l'air d'être. Ils ont fait. During a short visit. Ah ouais, ils sont passés en coup de vent donc. On peut dire ça. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre la reine Elisabeth en. Sur la page, on va peut-être prendre le premier, hein, non? TVXQ, qui c'est? Et puis après, on a plein de visites du Kyrgyzstan, un chouette pays, j'imagine. Dommage. Un régime pas très très. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Presenting. Ok, il y a plein de cours là. Learn Tamil. Bon, alors, on va rester sur les 20 résultats, les 20 premiers résultats, et je pense que ça sera intéressant de voir. Je peux revenir au début, là, il n'y a pas un machin de. Si je fais ça, il me ressort au début. Voilà. On va prendre celle-là, parce que bon, l'homme le plus grand du monde, politiquement, il ça pèse moins quand même. Hop. Alors. Faut mettre le nom de l'image. Voilà. C'est cette image. Et donc. Sultan Kosen. Est passé en coup de vent. Alors, le Kyrgyzstan n'est pas un régime pas très. C'est le plus démocratique de la région. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. J'aimerais bien aller visiter ces pays-là. Islande. Comment j'écris Islande, moi, les gens?
pour le la promotion du livre des records 2010. Bim. En gras, on insère. Pas mal. Difficile de faire beaucoup mieux. Après la coiffure en coup de vent, à gauche la plus grande des filles blondes avec des cheveux courts en coup de vent, une robe très claire, des sockets, son visage en je vois pas du tout ce que peut être, parce que ce dit d'une coiffure, ça c'est les définitions du 8e de l'académie. Mais les définitions du 8e de l'académie, honnêtement. Ça vaut pas beaucoup. Nouvelle image! À coiffure. Je suis curieux. Ah, une belle coiffure, une autre coiffure. Bon, ça a l'air d'être coiffeur. Y a-t-il un coiffeur? Oh oui, beau coiffeur. Un barbier. Est-ce qu'il y a un barbier? Permanentiste. Oh, pas mal aussi. Il fait la barbe là? Ouais, franchement, on voit pas trop qu'il fasse la barbe, mais il fait la barbe. Permanentiste. Ah ah! Les permanentes. Alors, je suis à peu près certain que ça ne donnera rien. Alors, plus parler et s'envoler. Oh bon, oui, pas mal. Images et médias. Ça va être ma prononciation en plus. C'est ça? Oui! Bon, alors. Coiffeur. Sauf si les permanentistes sont ceux qui font des permanentes. Les permanentes. J'ai trouvé permanente sur le monsieur avec pas beaucoup de cheveux, honnêtement. C'est une définition un peu facile quand même. Ça serait bien de montrer un coiffeur en train de travailler sur des cheveux un peu plus compliqués. Vous voyez. Alors lui, il est barbier. Lui, il est pas mal là pour le barbier, tiens. Parce que là, on a une belle image. Bon, ça, c'est pour les enfants. Beaucoup d'images de coiffeurs, c'est bien. Il y a beaucoup de fois le même là, ils sont amusés, nos amis à Boisseau ou à Boisseau, je sais pas comment on dit. Monsieur Frison ou le coiffeur à la mode? Ah, mais c'est ça, permanente. Et la mode, ça peut être pas mal, qu'est-ce qu'on voit? C'est doux et toute petite, lithographie. Est-ce qu'il fait des perruques? Je sais pas. Bon, on la garde de côté. Mais un coiffeur de mode peut être intéressant. Ah, il a besoin d'une coiffure, lui. Coiffeur longue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ultra flippant. Vous avez vu ça? Oi, oi, oi. Fait peur, hein.
Alors, chez le tailleur, chez le coiffeur. Ah, regardez là. Ah oui, c'est une Toulouse-Lautrec. Est-ce que il fait une permanente à la dame? Bonne question. Ce serait bien coiffeur de mode. Il faudrait mettre mode. Vous voyez? Là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, d'accord. Il met de la poudre. Ah, mais la poudre. Pas mal, hein? C'est un peu satirique. Bon, après, l'image n'est pas super. Là, par contre, voilà, ils se font poudrer sur une permanente. Et là, elle est un peu plus claire. J'aime bien. On va mettre. Alors, il le désinfecte. C'est vrai, ça? C'est super dur. Common sort tout et n'importe quoi. Ah oui, Common sort absolument tout et n'importe quoi. T'es certain, Darmo, qu'il le désinfecte? Bon, je pense qu'on a perdu Cédric. Il nous a pété un petit câble. Ah oui, donc il désinfecte pas. Un permanentiste. Disons qu'il finalise sa coiffure. Finalise. Fixe. Fixe sa coiffure. Fixe la coiffure. Pas mal. Hein? Oui, c'est le. Il est infecté, ça se voit. Ça... Ah oui, d'accord, ils sont partis sur le délire. Écoutez, le Covid-19, ça n'existait pas à l'époque des. Voilà, je sais pas si c'est le 18e ou 19e siècle, ce truc. Hein? Pas mal. Répugneur. C'est vrai qu'il y a Figaro aussi en tant que nom de coiffeur. Allez, publier les modifs. Image. On en fait une dernière, puis après on passe à l'inverse. Alors, on va peut-être faire autre chose. Une page au hasard par langue. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est? La barrière cointée. Ah bah il y en a une. Oh. Oh non, non, oh. Bon les gens mettez oh dans le commentaire parce que là franchement déception quoi. Un truc au hasard, il faut que je tombe sur une avec une illustration. C'est presque triste. On recommence. Attention. Du lino. Oh, il y a une image de lino. Ah, il n'y a pas d'image de Lino. Alors, une image de Lino. Non, je vais pas modifier le code. Ah là là, hein. Voilà. Bah oui, écoute, faut bien s'amuser ce soir, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec juste Lino? Ok. Ok. C'est. En fait, il n'y a rien du tout. Bon, en même temps, bon. Fallait s'attendre. Linoleum. Je te fais peur. Oh, allez. Tu t'éclates. Hein. Regarde. Linoleum Floor Meet Museum Lino. Oh, oui, mais ça, c'est pas forcément du. Lui, il est pas mal là. On a les couleurs. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. Ah! On a une coupe de lino. Bon, c'est pas très pédagogique, mais c'est une belle image.
C'est une très belle image. Qu'est-ce qu'ils font des incisions sur du lino? Ouais, franchement. Bon, les premières images. Ah, ça c'est bien ça. Tu sais, c'est quand tu marches sur lino et puis ça fait bizarre, tu te prends toujours les pieds dedans. Est-ce que l'image est belle? Il y a quand même un reflet dégueulasse dessus. On va l'utiliser parce qu'elle est marrante. Un lino mal posé. Hop! Boum! Linotype. Le tac-tac des linos. Qu'est-ce que c'est un linotype? Voyons voir si on peut trouver un linotype. Linotype. Oh, d'accord, c'est ça. Une grosse machine. Grosse machine, dis donc. Manchester Workplate. Matrice de linotype. Avec marqué Wikipédia en plus dessus, vous avez vu? C'est trop bien! Il manque la majuscule à linoléum. Ben écoute, 2 secondes, je vais la mettre. Alors, laquelle des images est la mieux? Celle-là, elle est assez claire, en plus on voit tout là. Ah ouais! Oh ouais! Ouais, super! Un lino tout équipé. Gras. Insert. Alors, en effet, on va. Majuscule. Tac. Et c'est pas mal tout ça. Publish the modificatish. Ouais, mais français. Et j'ai pas mon résumé. Bon, bah, plus image, quoi. Plus image. On l'a vu au musée de l'imprimerie à Lyon, ça, non? Il y en avait un au musée de l'imprimerie à Lyon. Tu vas y arriver. Voilà. Ah, mais c'est parce que j'ai dû passer par le machin. C'est beau. C'est tellement beau. Bon, les enfants, nous allons partir de l'autre côté. Pour ça, nous allons rajouter une image en partant des images. Wikimedia Commons. Alors, ça c'est l'image du jour. Creation Tell Dance. Danse de la création. Conte fondateur d'une danse du vêtre à l'ifou. Alors là, pas mal ça. Surtout si la tribu des Kiranata. Ça c'est intéressant parce que il n'y a pas Kiranata sur le Wiktionnaire, mais on doit peut-être avoir la langue. Hein. Regardez ce qu'ils ont. Alors, Lifou, Andréhu. Voilà, Andréhu. Andréhu, c'est la langue kanak. Ouais. De la région de Lifou.
Faut donc illustrer Andrew. On va donc rajouter cette magnifique danse. Regardez un peu quand même, hein. Langue canaque, vêtre, ça va être ça, hein, le vêtre. Et toutes ces tribus. Alors, la plus. On est habitué par la langue parlée, ça. Donc, c'est. Sont tous des tribus. Des dréus. Donc, on se gourre pas trop quand on met une image de leur danse. Pour les illustrer, ce qui est quand même pas trop mal. Hein, se gourer en mettant une mauvaise l'image d'un autre peuple pour illustrer, c'est dommage. Ça pourrait être dommage. Hop, insérer images et médias. On va donc plus de détails, s'il te plaît. Naissance du vêtre. Pas mal de rues. Hop. Alors, j'essaye d'illustrer truc. Eh ben, c'est pas facile. Essaye de trouver des boîtes d'objets, tu vois, de genre de farfouilles, de machin. Parce que ça peut être intéressant. Allez, une boîte de trucs, tu vois, des sortes d'objets. Pas des ordures, mais. Enfin voilà quoi, des rabiots, des machins. Ou alors un bazar sur une table et tu mets ben, qu'il y a des trucs informes, tu vois, dont on a un peu, on voit pas forcément toute l'image, tous les objets sur l'image. Je pensais à un magicien pour le sens astuce. Ah oui, il a un truc. Ah, c'est pas con. C'est clairement pas con. Image est débile. Une photo du compte fondateur dans le même pas non plus. Dréhu. Gull. Ça, on va le mettre en Italie. Ça, on va le mettre en gras. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal, pas mal. Publie. Plus images. Donc voilà, le deuxième moyen, en fait, c'est de partir des images. Donc on va sur Commons, on essaie de trouver des belles images pour le coup. Donc c'est l'occasion de regarder. Eh ben c'est bien, on a passé les 60 millions de fichiers. C'est dingue. Donc pour ça, on peut regarder ce qui est proposé sur la page d'accueil. Vous voyez, on vient de l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Une image prise. Oh, c'est un timelapse. Ah, est-ce que timelapse est illustré? Français, timelapse, non, ben voilà! Regardez! C'est tout simple! Voilà, regardez! Oh, comme c'est beau! Tous ces nuages qui se déplacent. Il dure combien? 40 minutes, c'est ça? 1 minute 20? C'est très bien.
Ok, nickel. Alors, on prend le titre. Alors là, le mec s'est éclaté sur son titre, hein. Ah, mais il a mis les coordonnées, hein. Malin, le gars. D'ailleurs, Belfort. Thomas Bresson. Ça ne dit rien. Je ne le connais point. Pu être un autre Belfortois. J'imagine qu'on dit comme ça. Mais non. Mais non, mais non. Bon, les enfants, vous êtes sur quoi là? J'ai l'impression que vous êtes tous morts. Ça y est. J'ai même pas fait une heure. Je vous ai. Attends, il y a 8 spectateurs. C'est la folie furieuse. En plus, on a eu la visite incroyable et totalement non préparée de Linguisticae. Ça fait plaisir. Dis, tu veux bien me la mettre, l'image, là? Ok, il veut pas. Bon, alors quand ça marche pas, il faut passer par le code. Bonjour, je veux le code. Alors, Cédric, il spamme fichier au hasard pour trouver une image qui me plaît. Oh, c'est très bien. Mais c'est pas terrible non plus. Non, il faut passer par les. Ce que je conseille, c'est plutôt de passer par les images de qualité. Parce qu'un fichier au hasard, tu vas vraiment tomber sur des trucs avec 60 millions de fichiers. Là, c'est vraiment. C'est vraiment le hasard, quoi. C'est le grand hasard. Alors, ça c'est quoi? Pas trop court, pas trop long. Non, moi je veux les images. Je vais pas les images. Source. Alors, Seb cherche à illustrer vidé, mais pas réussi. Ah oui, c'est pas facile. T'as pas un camion benne qui pourrait vider sa benne là? Tu vois, un truc comme ça? Ça pourrait être le cas. Moi, je vois les travaux publics. Quand c'est un truc un peu gros qui vide des machins. Ou une brouette, tu vois. Propose, si ça se trouve, t'as déjà cherché. Et en fait, je te dis des grosses bêtises. Par contre. Ça doit être ça. En direction. Non. Ah, il n'y avait pas pensé. Alors. C'est donc fichier. Fichier. Deux points, on met le titre du fichier. Ensuite, on met vignette. Ensuite, on met le dedans. Et le dedans, c'est donc. Je sais pas si fichier ou média, ça, on va regarder. C'est donc un timelapse. Un timelapse. Time lapse. Ah ben voilà. Il y a. Peut-être trouver quelque chose pour notre ami Steph. Un timelapse pour. Un timelapse de nuages. Du ciel. Du ciel. Timelapse du ciel. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un certain Julien Bazin qui me demande comment je vis le confinement. Alors, je le vis particulièrement bien. C'est pas très difficile. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai écrit le dico qui est là, on va arriver. Tada! Donc j'ai fait une. J'ai déjà fait un live, donc achetez-le sur le live, hein, voilà. Quand j'ai fait ce dico, j'ai passé 8 mois dans mon PC tous les jours, machin, et je sortais que une à deux fois par semaine, par mois. Donc, comment dire? Ça va, j'ai pas de problème. J'ai mon chat qui me fait des câlins quand il veut, quand je veux. Bon, bah, je vois pas les copains, mais regarde, je fais un live. Alors, bon, il y a des trucs qui me chagrinent, c'est qu'il n'y a pas de prononciation pour timelapse. Timelapse, où j'arrive à bien le prononcer en plus. Il dit rien. Alors. T-A-I-M-E. Là. Voilà. Comme ça, on fait ça bien. On va même mettre un appel à exemple.
Tadam! On va me demander quand est-ce que ça a été fait. Oui, parce que bon, autant mettre l'article proprement, quoi. Alors, on va faire des liens. Eh ben, tu fais coucou à Laura de ma part. Où il a mis un tiret. Ah! Bien vu, Darmo. Merci. Poslovitch est reparti pour sa croisade. Ah bon, bah écoute, bon courage, Poslovitch. Force et honneur. Hein, voilà. Alors, effet. Accélérer. Je pense qu'il faudrait peut-être même ultra accélérer. Hein. Pour moi, c'est pas deux mots, c'est un mot avec un tiret. Hein. Ça n'a pas de sens. Image par image, ça peut être intéressant. Image par image, on va voir. Hein. Pour des durées plus longues. Caractéristiques de l'animation et aussi technique de base de la photographie. Animation. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, vidé est illustré. On va les regarder juste après ça. Darmo veille. Merci Darmo. Et Postovitch, claque. Bon courage à moi, que la force soit avec moi, que la force du wiki soit avec moi. Eh bah écoute, bon courage Juju, que la force soit avec toi et que la force du crayon et de l'animation soit avec toi. Voilà. Technique de base. Puis la force du wiki peut aussi être avec toi. Hein. Je fais ces lives, c'est aussi pour que tu puisses illustrer. Hein? Non mais oh. Donc tu vois, c'est pas très difficile. Hein. Je clique sur des boutons et je fais publier les modifications. Et voilà, on a un magnifique timelapse. Mouah. Ah, mais il y a de toute façon plein d'autres techniques cinématographiques et audiovisuelles à mettre, à illustrer. Donc franchement, les gens, prenez des vidéos de trucs et montrez comment on fait des trucs avec des vidéos. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on a eu timelapse, on va retourner sur la page d'accueil. Alors, dans les images ici, on va sûrement avoir les images de qualité, j'imagine. Alors. Un hyperlapse. Écoute, si t'arrives à trouver un hyperlapse, parce que alors ça, je vois pas du tout ce que c'est. Alors, voilà, featuring picture. C'est ça qui est intéressant. Image de qualité. Voilà, il y a tout, hein. A, B, C, Z, machin. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir illustrer? Maquillage. Ah, est-ce que maquillage hindou, il y a un maquillage. J'imagine qu'il y a déjà un maquillage. Oh, bah, en plus, il y a un. Oh, il est superbe ce maquillage. Wouah! Il est vraiment. Il est vraiment top. Excusez-moi, je m'approche un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un canon. Voyons voir, un canon. J'imagine un canon, s'ils n'ont pas illustré ça, c'est que. Un canon sur roue. Oui, bon, l'image très bien, un beau canon, machin, tout. Bon. Voyons voir. Bon, des maisons, des maisons, encore des maisons. Ah, mais il y a du colombage. Moi, je pense que colombage est illustré, sauf que. Vérifions. Colombage. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oh, un beau colombage. Hein. Alors, un moulin. Un moulin, c'est à peu près certain. Cinéma Hall. Brand chocolat Waterball. Bon, locomotive, c'est certain. Ça, c'est quoi? Ah oui, alors pour les espèces de plantes, vite, vite relou. Ah, il fait un discours. Regardez. Il a un discours dans la main. C'est qui? Jürgen Trittin. Bon, on va regarder si quel groupe il est.
Si c'est un groupe qui est un peu chelou, on va peut-être pas le mettre. Jürgen Trittin. Désolé les roues. Ah bah il a une page wiki. C'est pas mal. Alors, allemand, membre du parti écologiste. Bon, ça va, parti écologiste, c'est pas non plus. Et puis c'est bien de mettre un allemand. Hop, est-ce que discours est illustré? Je dis ça, mais si ça se trouve, discours est illustré. Un discours dans la main, tout à fait. Ah ouais, il a le papier dans la main là. Bon, c'est un peu flou, mais. Non, voilà. Texte lu ou propos improvisés. 4, voilà. Quoi, tu trouves que c'est pas un discours dans la main? C'est des notes, hein. C'est flou, mais. Alors, on se met après discours, on insère une image. Allez, tu peux le faire. Voilà. Hop. Utiliser cette image. Un homme politique. Faisant un discours en gras. Ensuite, on va mettre Anna, ça me le met en instance 4. Alors, je veux supprimer le italique. NC Rush. Texte lu ou propos improvisés devant un public. Voilà. Je viens de faire soudoyer, mais j'ai galéré et je suis plutôt satisfait. Alors, on avait vu qu'il y avait vidé. Déjà, on va regarder vidé, puis on va regarder soudoyer. Image. Non, pas vocabulaire. La fin de la soirée, hein, honnêtement. Voilà. Vidé. Voyons voir ce qu'il nous a mis notre très cher Seb. Waouh. Super, en train de vider des gravats. Elle est belle l'image en plus. On a presque envie de tousser là. Alors, j'ai illustré les deux premiers sens de truc. Bravo, Darmo. Bravo, bravo. Oh coucou Jérôme. Alors, soudoyer. J'ai un peu peur. Mais on va voir. Un électeur se faisant soudoyer. Ah, pas mal la caricature. Pas mal, pas mal. Ah ouais. J'aime beaucoup. J'aime. Ouais. J'aime beaucoup. C'est une très belle illustration. Ouais. On va regarder le truc. La page tablier mériterait quelques illustrations supplémentaires. Seb, en effet, c'est une belle, belle illustration. Alors, tablier. Ah, attendez, truc déjà. Il y a des trucs. Un truc pour faire croire qu'il avale les aiguilles. Des trucs sur des étagères. Ah bah alors là, ça fourmille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bits and pieces. Bah ouais, carrément, ouais. Alors là, ouais. Là, c'est une vente aux enchères, on dirait presque. Il y a des trucs assez chouettes, hein, quand même. Ah, j'ai dit trucs. Eh. Tousse dans ton coude, tu as raison. Toussez dans vos coudes, les gens. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les coudes et toussez dans vos coudes. Et restez chez vous. Très important.
Il y a le nom de aussi. Le nom de. Deux trucs américains. Long wagon au chariot, mais un plateforme. Waouh, mais ça vient d'où, de truck? Ah ouais. Eh ben, je savais pas que ça s'appelait un truc. Prononce truc ou truck? Truc. Ah, c'est marrant. D'accord. Superbe. Franchement, très bon taf. Très bon taf. Alors, tablier. Est-ce que quelqu'un est sur tablier? Est-ce que tu es sur tablier, cher Postovich? Ah bah, c'est clair que là, on a deux photos pour 10 sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Pièces de toile, vêtements de toile. On a le sponge 107, d'accord. Ornement sculpté sur la face d'un piédestal. Suffit de trouver un bas-relief en fait. De statue, hein, il doit y en avoir. Hein. J'ai fait que les prononciations, d'accord. Rideau composé de plusieurs plaques de tôle qu'on lève et qu'on baisse devant le foyer d'une cheminée. Regardez, âtre. Ouais, attends, là t'es encore sur l'ancienne version de ce qu'on faisait. Nous, là, on fait du. Je regarde et je vais voir où utiliser cette image qui est chouette. Mais en effet, vous pouvez regarder les trucs qui manquent et là vous voyez tablier, il y a plein de choses à faire. Amusez-vous. Waouh, c'est quoi ça? Oh, elle est trop belle! Elle est superbe cette image. Alors là, l'Ukrainien, incroyable. Est-ce qu'on a macro? C'est une image macro, ça. Arzenorko. Macro. Sur coccinelle. On va regarder s'il y a sur coccinelle. Photographie. Objectif désigné à la macro-photographie. Déjà là, on a macro-photographie. Ça peut être sympa ça. Mouche prédatrice. Ouais, il y a déjà une image sur la bâton. Mais du coup, coccinelle, il n'y a rien. C'est quand même bizarre. Hein. Franchement, coccinelle. Ah oui, une coccinelle. Une belle coccinelle. Par contre, comment ça s'appelle ça? C'est des pissenlits, hein. Par contre, vous voyez, il y a des lens flares. Ça, on peut peut-être trouver. Lens flare. Un truc qui ressemble dans le dictionnaire. Flair. Exemple de flair. Ouais. Pas mal ça. C'est une superbe image. Si vous trouvez à l'utiliser, n'hésitez pas. Oh, un canard! Pas de E à Lens. Ah. Lens clair. Ça change rien, les gens. Voyez, il y a des trucs à faire dans le dictionnaire. Alors, d'après WIP en français, c'est facteur de flair. On l'a pas. Eh ben les gars, on a du taf, hein. Alors, là on a des superbes arbres. Ah non, mais c'est des sculptures, bon d'accord. Un portail. Ah, des reflets. Bon, je pense que reflets quand même. L'image sur reflet. On n'a pas non plus, on n'a rien. Mais en plus celle-là, elle est belle. Elle est très très belle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des jackfruit. Il y a des gros machins, ça.
Alors, wagon, intérieur, une tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une vasque. Tulip beaker. Oh, un truc en tulipe. Est-ce qu'il y a tulipe dans le sens vase tulipe ou un truc comme ça? Verre à boire de la forme de cette fleur. Mais ça va être ça! Ça doit être ça! Non. Tulip beaker. Est-ce qu'on a tulip beaker? Franchement, c'est triste. Alors. Le live du truc. Le live du truc. Ouais, c'est vrai que c'est pas le live du virus, mais ouais, c'est le live du virus, allez, on est pour le virus. Avec ça, des narmaux, on fait que devenir ce monde. Écoutez les gars, si ça vous éclate, allez-y. Hein. Allez, ils ont mis trois images de tulipes. Et okay. On va mettre ça. Pas l'air bien grand. Mais ça, c'est un autre problème des gens qui prennent des photos comme ça. Il faut mettre des échelles. C'est ultra important. Bon. Cédric dit que c'est pas vrai. Il dit pas ce genre de truc. Pris la main dans le truc. Vas-y, tu la connais cette image. Le moteur de recherche est pas complètement parfait, hein? Culture. Regardez Anagoria. Anagoria. C'est pas facile de s'étrangler avec son échelle partout. On va rigoler parce que c'est drôle. On va rigoler parce que c'est drôle. Michel Berger, cool tour. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Du coup, on va mettre une tulipe de. Une tulipe de. Moins 4000. De 4 millénaires. Avant Jean-Charles, avant notre ère. Boum! Entre parenthèses, 1, 7, 3. Notre ami Cédric a fait se désaltérer. Désaltérer, on va aller voir ça. Il s'est riche. Ah non, ça me l'a mis en haut. Alors, par contre, on va essayer de le mettre en dessous. Je descends, descends, descends. Tu veux pas me descendre la page là? Ça me la met pas du tout là où je veux. Remonte.
Bon, passer par le code source, ça va m'embêter. Là, malheureusement, il faut parfois passer par le code source. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Là. Celui-là. Et donc, il faut le mettre. Allez! Couper. Pam. Voilà. Après celui-là. Là, il y a une erreur, vous voyez, il faut le mettre tous les trois avant la ligne vedette. Donc, ce qui est normal, puisque si ça avait été avant, ça m'aurait pas fait ce coup. Voilà. Par contre, ça serait bien que ça soit gras. Par contre, là, on est complètement en dessous en mode dégueu. Il va falloir rajouter des choses. Bon, revenons à nos moutons. Des quality images. Alors, cheval qui boit de l'eau. Il a fait des altérés. Voyons voir des altérés. T'as mis le cheval? Oh! Là, on a une tour. Une belle tour. Est-ce qu'on a tour? J'espère quand même, parce que sinon. Franchement. Ouais, on a une tour. Hop! Alors, une statue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit, elle fait des offrandes. La jeune fille d'Anzio. Bon, j'y connais pas assez en mythologie pour expliquer tout ça. Oh, comme les gens, je commence à bâiller. Oh, un pavillon de 7 étoiles. Bah, ça peut être pas mal, ça, pour illustrer pavillon. Voyons voir, pavillon. Allez, on s'arrête à 30 dans 10 minutes. Pavillon, 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 pavillon. Bah, il n'y a pas pavillon. Bon, c'est le bazar sur cet article, honnêtement j'y retoucherai pas avant un moment, donc hop. C'est marrant parce que je ne me rappelle plus de comment ça s'appelle ce genre de choses. Je sais que c'est un autre nom. Oh, collégial. Ça, c'est intéressant. Je suis pas certain que collégial soit illustré. Pas certain, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Ah ah! J'ai le nez creux! Et ben voilà! On va illustrer la collégiale! Alors, collégiale Saint-Ursmer. En plus, il a un nom très rigolo. Et tu veux bien mettre... Voilà. Une certiche.
bien qu'on rajoute. Pas mal. Plus image. Extension a été illustrée. Voyons voir. Extension. Oh oh! Un joueur de basket en extension pour marquer un panier. Pas mal! Pas mal! Pas mal, hein. Très bien trouvé. Alors, mosaïque, buste de satyre. Je pense que mosaïque a été illustré quand même. Je crois que les Lyonnais avaient. Les Lyonnais avaient fait des trucs. On devrait pouvoir. Ouais, c'est ça. Le pauvre! Ah, les stères royales. Ça, c'est beau, ça. On a serre et verrière. Et une petite serre. Bon, c'est la petite serre, c'est mignon. Par contre, peut-être que verrière n'est pas illustrée. Ah bah voilà, elle est illustrée avec celle-là. Le boulot est déjà fait, les gens. Alors, on a le cimetière et l'ossuaire. Du quartz. Quartz rouge, quartz hématoïde, cristaux biterminés. Est-ce qu'on a biterminé et hématoïde? Bonne question. Bit en bois. Le nom des habitants de. Non, surnom méprisant. D'accord. On n'a pas de biterminé et hématoïde, c'est pas certain non plus. Hein. Hémato. Tréma. Non. Tréma. Il est. Oui! Variante de hématode. C'est sûr. Un grain plein de sang, 5 000 ans. Ok. Ça marche. Je choisis un feu foireux, mais ça marche. Et je pense pas que c'est une variante, hein, parce que c'est pas construit avec le même. Mais bon. Mais. Qu'est-ce que je fais là, moi? Modifier. Insérer images et médias. On va mettre cette magnifique 0,0,26 40 mm quartz. 4 cm de large sur l'image. Pas beaucoup, hein. Regardez la belle image. Des petits quartz. Hématoïde. Ah. Le dieu des mots chelous. Est content. L'article me fait un peu pitié quand même, donc je vous avoue que je vais rajouter quand même quelques sections. Une section d'étymologie quand même. Je ne m'appellerais pas Yokoi si je n'embêtais pas les gens sur l'étymologie. Hein. Ensuite, on va quand même mettre une boîte de flexion et faire règle, parce que c'est régulier. Et hop, la prononciation. Parce que c'est une variante qui n'a pas le droit à ses traductions propres.
Et en plus de ça, rien de le pluriel n'était pas créé. Nous allons donc le faire. Et bim. Alors, vous en êtes tous les gens? Qu'on clôture un peu cette soirée. C'est ça. Oh, bel orage. Un mécanisme de téléphone. C'est vraiment un mécanisme. Ça s'appelle comment? C'est une croix? Un calvaire? C'est un calvaire plutôt. Parce qu'on a calvaire qui est illustré. Calvaire, calvaire. Oui. Bon, bah écoutez. Reproduction de la crucifixion. C'est ça? C'est pas une épreuve très. Un A. Un point. Moi, je vous entends plus. Je vais finir le live sans que vous fassiez quoi que ce soit. Hein. Ah là là! Bon, allez, une dernière belle image. On va essayer de trouver un truc sympa. Une chèvre. On dirait le crayon. On dirait le crayon à Lyon. Bandits, un drapeau, ils sont montés là-dessus. Women March. Des féministes. Est-ce qu'on a féministes? Féministe. Oui, très bien. J'ai un peu l'impression d'être seul. Mon chat m'a abandonné. Je suis en train de vous faire à la force des bras et du clavier et de ma souris les dernières minutes de ce live. Four de bronzier, ah, ça c'est pas mal. Alors, Darmo disent qu'ils bossent dur. Ça il faut le prouver, ça. Ça il faut le prouver, les gens. Donnez-moi les pages sur lesquelles vous êtes. Très beau graffiti. On peut te raconter des conneries et bosser. Vous êtes certain que vous êtes capable de faire les deux en même temps? J'ai presque du mal à vous croire. Ah, par contre, ça c'est sympa. Pour des venelles, des ruelles, des. Ça c'est pas mal ça. Est-ce que y a ruelle? Ruelle peut-être, mais venelle, je sais pas. Il a fait fourgon, pullman, tender, truc, on s'en a vu, voiture, voiture lit, wagon bar, wagon citerne, wagon couchette, wagon. Pourquoi t'as illustré le pluriel? Wagon de marchandises. Il a oublié le pas. Ah! On peut pas bosser et te raconter des conneries. Une venelle. Ah. Alors, une variante.
Ah, d'accord. Nourriture urbaine, on a aussi des petits trucs. Passage. Ben voilà. Couvert très. Ah oui, mais c'est pas un passage, ça. À peine couvert. Bon, c'est pas grave. On va continuer sur autre chose. Bon, il y a des belles photos de Grèce là. Ça donne envie de partir en vacances. Mais non, il y a le coronavirus. Oh! Je suis un petit lion. Un petit tigre. Un tigron. C'est les tigrons ça? Non, les pitons. Non, c'est une variante de tigre. Alors attends. Comment ils s'appellent les bébés tigres? Petit du tigre, c'est ça, c'est un tigron. Allez hop, on modifie. On va mettre un petit tigron blanc. Regardez, ça c'est la classe. Hop, mets-moi celle-là. Oh, il est mignon. Hop. Utilisez cette image. Un tigron blanc. Boum. T'es sûr qu'il est pas empaillé, il a une sale gueule. Oh non. Il est pas empaillé. De cuistre. Hop. Il est tout jeune. Et ben, hop, une image. Et c'est la fin, les gens. Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là. Moi, je tombe de sommeil complètement. Voilà. Du coup, on va regarder ce que nous ont fait les gens. T'es sûr que. Oui. Alors. Fourgon. Voyons voir. On va illustrer. Ah si, là, d'accord. Un fourgon PLM. Qu'il est beau. 1 heure et demie? Bah oui. Il est 22h30 et on a commencé à 21h. Ensuite, tu nous as mis. Un pullman. Alors, Seb, plus 9 pages illustrées de son côté, quelques petites corrections par-ci par-là. À demain. Eh ben, à demain, Seb, demain, même heure, même tronche. J'ai pas encore trouvé le thème, mais si vous avez envie, des envies, des idées, vous me dites sur le Discord, du Wiktionnaire, vous n'hésitez pas. Et puis, on se retrouvera, hein, on s'amusera bien ensemble. On finit de regarder les pages qu'on fait. Oh déjà, bah ouais, désolé Romain, mais voilà, moi je commence à tomber de sommeil et je pense que la qualité de mon, la qualité de mes commentaires ne va que baisser. Je pense qu'à la fin en fait, ça va être juste dur. Le parler lyonnais, pas con. On va regarder ça. Alors. On a vu le Pullman, c'était pas mal. Le Tender, c'était le Tender. Tender, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la réserve de charbon. Oh, il est beau. Hein. Il y a des fans de chemin de fer hein, qui sont quand même particulièrement bons photographes. Seb, Kajou Kembo. Oh là là. Voilà, et j'ai fait les processions de 16 pages. Bah, superbe! Super, super, hein. Truc qu'on a vu, voiture. Bonjour, Blatter. T'arrives à la fin, on est en train de regarder ce qu'on a fait ce soir en illustration. Une voiture ferroviaire. Ouais, pas mal celle-là. Oui, bonsoir, c'est mieux, en effet. Après, voiture lit, tu as donc fait voiture lit. Pas mal ça.
Parler toulousain. Écoute, si tu as des sources pour le parler toulousain, Cédric, envoie. Surtout si c'est des sources en ligne, histoire qu'on puisse tous se mettre dessus, où on fait du régionalisme. Ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Ah, mais t'as mis l'intérieur d'une voiture-lit. Oh. De l'Orient Express. Pas mal. Ouais, on est des contributeurs à Wiki. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? Wagon bar. Ah, ça, je veux voir ça. Je pense qu'à l'extérieur, ça va pas changer grand-chose, mais. T'as pris l'extérieur et l'intérieur. Ah, bah oui, wagon bar TGV. Classique. Classique et cool. J'ai quasi fait toute la page de Rivelet Recording et Blaster Jacks. Je sais pas ce que c'est généralement. C'est toi qui me fournis les sources. Bon, on va chercher. Mon dieu, c'était moche. Bon, attendez, je suis en train de regarder les listes de Darmo là. Bon, on va peut-être pas toutes les faire. Wagon citerne, wagon couchette et wagon de marchandises. C'est ça que je veux voir, wagon de marchandises. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et du coup, toi, c'est plus Wikipédia, Blatter. Là, on est sur le Wiktionnaire. Ah bah oui, du classique wagon de marchandises. En fait, t'aurais pu prendre n'importe quel train de marchandises, quoi. Là, il y a quand même quelques variantes. C'est pas mal. Hein, je sais pas si c'est des wagons à bestiaux, là, derrière, devant. On dirait. On dirait. Bon. Wikipédia, ouais. Nous, on est plus Wiktionnaire sur ce live, mais peut-être qu'on fera du Wikipédia un jour. Ça arrivera. Eh ben, chers amis, c'est sur ce magnifique wagon que nous allons nous quitter. Parce qu'on a fait pas mal de contributions ce soir. J'ai dû illustrer une bonne dizaine de pages, je pense aussi de ma part. Donc en direct, c'est cool. Et ça aide pour le Wiktionnaire. Peut-être qu'on va pouvoir passer enfin les 50 000. Bonne nuit, Blatter. Hein. Lave-toi bien les mains et reste chez toi. Eh bien, chers amis, ça sera le mot de la fin. Merci d'être passé sur ce live, c'était vraiment cool, c'était vraiment sympathique. On a pu être assez efficace. Je vais même passer en grand histoire de vous faire un gros coucou final. Gros coucou final. Les 50 000, voilà, les 50 000 illustrations sur le Wiktionnaire. Il me semble que c'est l'objectif. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, protégez-vous du virus. Sincèrement, ça me ferait vraiment de la peine de savoir qu'un d'entre vous est atteint. Lavez-vous les mains à chaque fois que vous rentrez, que vous sortez, que vous faites des trucs. Toussez dans votre coude. Restez chez vous le plus possible. Et puis, ben, faites du wiki si vous vous ennuyez. Ciao, bye!